Caché ou pas caché, j'arrive. Hyperion, faut moins serrer. Merde. Dans quelle galère je me suis encore foiré. Salutations, héros. Je suis Uther, le porteur de lumière. Et tu as été choisi par le Nexus. Le Nexus, c'est donc une sorte de truc Protoss. Quoi ? Non, c'est... Écoute.
Le Nexus est une tempête cosmique où les mondes entrent en collision à travers l'espace, le temps et les dimensions. Tu as été invoqué ici pour faire tes preuves au combat et te couvrir de gloire. La gloire, ouais. Non, pas besoin de me convaincre. Ce portail des tempêtes nous conduira jusqu'à la cour du Corbeau. Fais un clic droit pour y aller. Va falloir assurer. Un serviteur ennemi ? Nous venons à peine d'arriver. Bah ! Bon, appuie sur la touche Q, puis clique sur lui pour l'attaquer. Tu vas rien sentir. Avançons. Les serviteurs devant nous sont visibles ici, sur ta mini-carte. Une espèce de globe lumineux vient de sortir de cette chose. Un globe de régénération. Approche-t'en, et tes alliés proches et toi récupéreraient des points de vie et de mana. Appuie sur la touche Q, puis clique au sol pour te déplacer dans cette direction et attaquer les ennemis rencontrés en chemin. Tu prévois de me filer un coup de main, Uther ? J'ai déjà terminé mon didacticiel, mon garçon. Tu dois compléter le tien. De plus, tu peux te charger de quelques serviteurs. Sur moi. Beau travail. Nous avons réussi à atteindre la ville. Va falloir m'affranchir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce royaume se nomme la Cour du Corbeau. Et il est assiégé par le seigneur des monts, Diablo. Diablo ? Vous osez vous opposer au seigneur de la terreur ? Je me demande, quel goût a ta peur, mortel ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je suis même pas sûr que tu puisses sentir quoi que ce soit. Je vais te dévorer ! Ouais, il cherche pas vraiment à faire bonne impression. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Pour affronter Diablo, tu auras besoin de tirer le meilleur parti de tes capacités. Tout d'abord, essaie ta balle perforante contre les soldats. Très bien ! Utiliser tes capacités te permet d'infliger plus de dégâts que tes attaques de base. Appuie sur la touche A. Joli tir, mon garçon ! N'oublie pas. Tu peux utiliser balles perforantes pour tuer des groupes de serviteurs d'un seul coup. Il y a trop de squelettes devant nous. Nous devons battre en retraite. Oula, ça sent pas bon. Je me sens invincible. À l'attaque! Sois pas trop sûr de toi, petit. Ta capacité Inspiration augmente ta vitesse d'attaque, ainsi que celle de tes alliés proches. Utilise-la dès que tu peux. En piste, les rebelles. Inspirer tes serviteurs te permettra de vaincre les squelettes plus vite. On les assaisonne. Non !
Ok. Votre courage retrouvé ne vous sauvera pas. Vos vies insignifiantes s'arrêtent ici. Nos fantassins affrontent Diablo un peu plus loin. Débloque la caméra pour jeter un œil. Maintenant, fais défiler la carte. Et voyons ce que mijote Diablo. Brûlez dans les feux des enfers! Il est blessé. C'est le moment d'attaquer. Si tu préfères reverrouiller la caméra, appuie à nouveau sur la touche L. Ce royaume et toutes les âmes fourvoyées qui s'y trouvent seront bientôt à moi! Pas tant que je serai vivant! Diablo! Je chasserai ton âme à tout jamais, James Raynor! Bien joué, jeune homme! Et ce n'est pas encore terminé! Utilise ta pierre de foyer pour me rejoindre. C'est mignon. C'est le hall des tempêtes. Les héros apparaissent ici quand le match commence. Notre but est de détruire l'idole ennemie tout en protégeant la nôtre des attaques adverses. Les deux idoles invoquent des serviteurs qui suivent cette voie et s'affrontent lors d'innombrables vagues de combat. Pigé, on détruit l'idole de Diablo et le combat sera terminé. C'est simple. Mais rappelle-moi pourquoi on fait ça, déjà. Tu sais, tu ne devrais pas trop réfléchir à ce genre de choses. Toute la journée. Tout d'abord, dirige-toi vers la ligne de front. Balaf, vouloir jouer. Celui-ci n'est pas très avisé. Attaquer un fort seul est quasiment du suicide. Arme chargée et prête à tirer. Va falloir assurer. Nos serviteurs nous aident à progresser vers l'idole ennemie. Reste derrière eux et laisse-les encaisser les dégâts. Les tours ennemies font très mal. Et elles tirent sur les serviteurs avant de s'en prendre aux héros. N'attaque une tour que lorsque nos serviteurs sont à proximité. Arme chargée et prête à tirer. Va falloir assurer. Reste derrière tes serviteurs et laisse-les subir les dégâts. Bien joué, mon garçon. Tu as fait la preuve de ta valeur. Que dire, à part que je suis vraiment doué pour faire exploser des trucs. Des serviteurs et de la pierre, ce n'est pas un vrai défi. Maintenant, je vais me repaître de votre terreur. Te repaître de ma terreur? C'est bon là, ça fait deux fois. On ne peut pas manger la terreur. Lui raison, pas manger terreur. Tu vois, même Schlingo a pigé. Assez! Une minute. Je viens pas de mourir, là. Ne t'inquiète pas. Dans le Nexus, la mort n'est qu'un léger contretemps. Au bout d'un moment, tu ressuscites, prêt à combattre. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'accompagne. Cela devrait équilibrer un peu la partie. Pas du tout. Allons-y, partenaire. Bordel. On s'y habitue jamais. Enfourche ta monture et retourne au combat. Va falloir assurer. Pour descendre de ta monture, appuie à nouveau sur le bouton.
la journée s'il le faut. Fuyons vite. Nous reviendrons quand nous aurons des serviteurs pour nous protéger. Parfait. Il ne reste plus que l'idole ennemie. À dire, bouche en feu. J'aurai ma vengeance, James Reynolds. Ce n'est pas terminé. Et c'est pas un combat, la loyale. Vous ne combattrez pas seul. Eh bien, regardez qui le Nexus nous a ramené. Ça fait plaisir de te voir, cowboy. Nova, maintenant je commence à me sentir à la maison. Te mets pas trop à l'aise. Ça risque de secouer. J'adore ça quand ça secoue. Allez, la Grande Rouge, montre-nous ce que tu vaux. Je suis prêt pour le deuxième round. Bien joué! Vous avez prouvé votre valeur dans les épreuves du Nexus. Nous allons maintenant aborder l'expérience. Les fontaines de soins et les mercenaires. Pouvons-nous commencer? J'espère que tu es prêt, Raynor. On entre dans le vif du sujet. N'oublie pas que si tu es blessé, tu peux revenir dans notre hall des tempêtes, et tes blessures seront progressivement guéries. Le but est, là encore, de combattre l'équipe adverse, et de détruire son idole. Voilà comment je vois ça. Il y a trois voies en direction de la base ennemie, donc il nous faut quelqu'un sur chacune d'entre elles. Maintenant... Tu sais tout. Suis-moi et prépare-toi à te battre. Ok. Le combat commence dans 10 secondes. Raynor, j'aurais bien besoin de ton aide sur cette voie. Que le combat commence. Toute la journée, s'il le faut. Recule, mon garçon. Il est dangereux d'attaquer une tour sans nos serviteurs. Quand tu tues des serviteurs, des héros ou des bâtiments ennemis, ton équipe gagne de l'expérience. L'expérience et le niveau actuel des deux équipes sont indiqués ici.
Quand la barre bleue est remplie, notre équipe gagne un niveau et nous devenons plus forts. Allons gagner un niveau alors. Toute la journée s'il le faut. Tu peux compter sur moi. Bon travail, tu as gagné un niveau. Les statistiques ont augmenté. Tes capacités sont devenues plus puissantes. En piste, les rebelles. Merci bien. Dans ta face! J'ai un petit cadeau pour vous. Recule, mon garçon. Il est dangereux d'attaquer une foule sans nos serviteurs. Bon sang. C'est pas la bonne forme. Mieux vaut te rendre à une fontaine de soins. Fais un clic droit dessus pour récupérer de la vie. Tu peux compter sur moi. Le clic droit annule une capacité. Il faut cliquer normalement pour activer une capacité. Bien. Après avoir bu à une fontaine de soins, tu récupères tes points de vie et de mana. Mais tu devras attendre que la fontaine se remplisse complètement avant de pouvoir boire de nouvelles vies. Mes condoléances. En piste, les rebelles. Un coup valeureux. Va falloir assurer. Explosez-leur la tronche. Raynor, ton aide nous serait utile par ici. Nous allons encourager ces géants de siège à se joindre à nous. Ça va le faire. Pour te déplacer plus rapidement, utilise ta monture. Le raccourci par défaut est W. Reste près de cette balise un instant, veux-tu? Nous y voilà. Une fois un camp de mercenaires vaincu, ces derniers se joignent à nous et combattent sur la voie la plus proche. Très bien. Escortons ces créatures de siège jusqu'au fort ennemi et mettons-le en pièces. Raynor, utilise ta capacité inspiration pour renforcer nos attaques. Les géants de siège sont plutôt efficaces pour détruire les forts à distance. Affirmatif. Nous avons réussi. Mort complète. Pour te déplacer plus rapidement, utilise ta monture. Le raccourci par défaut est double.
débloquer ta capacité héroïque. Elle peut renverser le cours du combat. Utilise-la à bon escient. Capacité héroïque, hein? J'ai hâte de l'essayer. Les défenses de notre ennemi sont tombées. Affirmatif. L'ennemi est dominé. Attaquons. L'ennemi est en difficulté. L'équipe ennemie est dominée. Bon combat, va falloir assurer. Increvable. Victoire. Impressionnant. Je pense que vous pouvez maintenant apprendre à utiliser les talents pour personnaliser les capacités de votre héros. Qu'en dites-vous ? Les talents de héros te permettent de personnaliser tes capacités et d'augmenter leur puissance. Maintenant, essaie d'ouvrir le panneau des talents. Le raccourci par défaut est N. Tu peux choisir un de ces talents. Passe ta souris sur l'un d'eux pour en apprendre plus à son sujet. Un choix excellent. Héros, lors de certains gains de niveau, tu peux choisir un nouveau talent, ce qui améliore ton héros et modifie la façon dont il se bat. Ça va le faire. Le combat commence dans 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Du moment que ça marche. Que le combat commence. Les héros cachés dans les buissons sont invisibles pour les ennemis à l'extérieur. Ils redeviennent visibles en sortant du buisson. Ou si un ennemi entre dans le même. Les
équipes gagnent de l'expérience en abattant des héros, des serviteurs et des bâtiments d'ennemis. Les héros doivent être proches de l'endroit où meurent les ennemis pour gagner de l'expérience. Chargé! Le plan me va. Soignez-vous, compagnon. Ok. La pierre de foyer pour te téléporter à la base où tu seras progressivement soigné. Le raccourci par défaut est B. La journée, s'il le faut.